Geneviève! Allô! Allô! Je suis super contente que tu aies dit oui! C'est super le fun! Hey, moi, je suis vraiment contente d'avoir été invitée! Yay! Comment tu te sens en ce moment, là? Drette là, là. On part! Fatiguée! Mais je me sens super bien, mais je me sens fatiguée. J'ai eu une grosse semaine. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Le design de tricot, principalement. Puis si on parle pas de tricot, l'aquarelle. J'ai commencé à faire de l'aquarelle. J'ai vu ça. Oui, super. Donc, quelque chose qui manque dans ta vie en ce moment? Du temps. Ah! Du temps et du calme. Juste de même, comment ça se passe avec tes enfants, le retour à l'école? Ça se passe bien et pas bien parce que j'ai un petit garçon qui est très, très, très anxieux, mais ça date de quelques années déjà. Donc, le retour à l'école est toujours un peu difficile, l'adaptation avec les professeurs et tout ça. Fait que c'est ça, cette semaine, ça a été un petit peu plus rock'n'roll, là. Il a fallu le pousser un peu, le tirer pour qu'elle aille à l'école, mais ça semble se placer. Il y a plein de monde qui l'ont pris en charge à l'école. Bien aller, là. Ah, bien. Côté COVID, mes enfants, eux autres, ils trouvent ça bien cool. C'est... tu sais, ils aiment ça être dans des petits groupes serrés. Ils aiment ça quand c'est quand même assez calme. Et puis, finalement, pour ce qui est des restrictions COVID, ils ont vraiment pas de flûte avec ça. Ton jeu de société préféré, maintenant ou quand tu étais jeune? OK. Je dirais, je vais pas être originale, je vais dire Monopoly, parce qu'on n'a pas joué. J'ai jamais joué vraiment beaucoup à des jeux de société. Mais là, on a redécouvert Monopoly parce que mes enfants, ils sont en âge de pouvoir jouer. Fait qu'on a commencé à jouer avec eux, là. Mais mon fils est super mauvais perdant. Fait que c'est difficile de jouer avec des jeux. C'est difficile. Ça va le faire de même, moi. Hey! Il y a une bonne ou une mauvaise nouvelle? T'appelles qui? Ah, là, présentement, ce serait mon amie Annie. C'est une amie que j'ai depuis à peu près un an, là, mais on s'est bien rapprochés dans les derniers mois. Puis sinon, c'est sûr que c'est ma sœur. Ma sœur, c'est ma plus grande confidente. Donc, c'est quoi la chanson que tu peux pas arrêter de chanter? Oh, je savais que tu allais me poser cette question-là. Celle-là que je vais souvent en tête et que je connais assez de paroles pour que ça ait l'air pas trop pire, c'est « La vie en rose ». Je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais ça me vient en tête. Mais sinon, c'est souvent plus, c'est rare que je vais la chanter, mais je vais l'avoir tout le temps en tête. Puis là, souvent, il faut que je la réécoute je sais pas combien de fois pour pouvoir me l'enlever parce que je trouve ça bien fatigant. Là. Hey, c'est quoi le meilleur film à regarder avec tes enfants? Oh! Ça dépend avec lequel. Si c'est avec ma fille, je risque d'essayer de trouver des films un peu avec un fond un peu féministe. Là. Fait que j'essaie de lui montrer, c'est ça. Tu sais, un peu l'histoire, tu sais, des films un peu plus historiques, comment que les femmes vivaient dans les années 60, 50, tout ça. Puis si c'est famille, là, ça va être sûrement un Disney là, ou un Marvel, là, quelque chose comme ça, là, bien léger. Là. J'aime ça! Oui. Hey, t'es-tu plus manicure ou pédicure? Ou pas pantoute? Avant, j'aurais dit rien pantoute, mais là, je me suis fait faire les ongles pour la première fois cette semaine. Fait que manicure, vraiment manicure. Ta couleur préférée? Je dirais le vert, ouais. J'adore le vert. C'est quoi la meilleure réaction que t'as jamais eue? La meilleure réaction? Je pense que quand je suis tombée enceinte de ma fille, là, ça a été comme le plus beau jour de ma vie, là, parce qu'on a eu de la difficulté à avoir des enfants au départ. Là, donc, je pense que ça a été vraiment... Quand j'ai su que ça allait fonctionner, là, ça a été vraiment un super de beau moment. Puis quand que j'ai su que c'était une fille, là, ça aussi, ça a été... Je sais qu'il faut pas dire qu'on veut plus une fille qu'un gars, mais moi, je voulais vraiment une fille. Ben, c'est bon, ça. C'est quand tu te sens la plus satisfaite? Quand que j'ai réussi
quand j'ai réussi à aboutir un projet, là, quand que, tu sais, je me suis donné, puis que là, il y a quelque chose qui, ça fonctionne, c'est terminé, c'est closé, là, je pense que c'est là que je me sens le plus satisfaite, là. Je suis quelqu'un qui est très organisé, désorganisé, là. c'est dur à expliquer, mais... Non, mais... je comprends. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous comprennent, en fait, oui. À certains niveaux, tu sais. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'organisation, mais en même temps, je suis une artiste, donc je suis vraiment comme un peu tout le temps partie sur plein d'affaires. Mais quand que, finalement un projet aboutit, là, je suis vraiment satisfaite et je suis bien contente. Ouais. Qu'est-ce qui a été... Parce que je suis pas mère. Hein? Moi, j'aime ça. Ça m'intéresse vraiment, par exemple. Parce que, tu sais, j'ai un chien, puis pour moi, mon chien, c'est mon kid, là. Mais... Qu'est-ce qui a été le plus surprenant quand tu es devenue maman la première fois? Ben, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais moi, j'avais l'impression que j'allais avoir un petit clone de moi-même. C'est un enfant qui allait beaucoup me ressembler, puis qui allait aimer les mêmes choses que moi. Puis finalement, ben oui et non. Mais ma fille est beaucoup plus différente de moi que mon garçon. Fait que, tu sais, il y avait plein d'affaires que je trouvais tellement intéressantes que je voulais montrer, puis elle, ça l'intéressait pas pantoute. C'est-tu une artiste, par exemple, un petit peu, ou pas pantoute? C'est-tu une artiste un petit peu, ou pas du tout? Oui, oui, mais, tu sais, moi, j'aime beaucoup le côté histoire, j'aime beaucoup la nature, le jardinage, tout ça, puis elle, ça l'intéresse pas pantoute, là. Mais qu'est-ce qu'elle aime, elle, par exemple? Elle aime beaucoup, c'est ça, elle aime beaucoup faire du bricolage, elle aime beaucoup dessiner, écrire, elle a écrit beaucoup pendant un bout. Fait que c'est des choses qui l'intéressent, qui me rejoignent, tu sais. Mais ce que je pourrais dire qui m'a surpris aussi de la maternité, peut-être pas juste au premier, mais c'est de voir à quel point, quand tu as deux enfants, c'est différent, là. Moi, j'ai deux enfants complètement à l'opposé, fait que c'est vraiment de voir que... C'est fou de voir que, tu sais, ces deux enfants-là, ils viennent des deux mêmes personnes qui sont aussi différentes. Mm-hmm. Ouais, qui ont été élevés, ben, pratiquement pareil. Là. On ajuste selon l'enfant, mais c'est qu'ils viennent de la même famille, ouais. Qu'est-ce que tes enfants, ils font pour te faire rire? Oh! souvent, quand ils me racontent des histoires qui n'ont pas d'allure, là, ces temps-ci, c'est ça, c'est des histoires de classe. Là. Ma fille est en pré-ado, sixième année. Là, fait que là, les histoires de gars dans sa classe, ça n'a pas de bon sens. Là. mon fils est très. Il a pas des problèmes moteurs, mais il est très maladroit. Fait que c'est souvent, tu l'entends débouler les escaliers, puis là, tout d'un coup, il crie ça va! ça me fait barrer parce que là, t'es sûr qu'il est mort, puis finalement, non, ça va, tout le monde, ça va. Un bras cassé, une cheville foulée. Non, mais c'est ça, c'est très étonnant qu'il n'y ait rien eu de cassé encore parce qu'il tombe. Oh, c'est trop bon. Oui. C'est quoi un trait que tu souhaites transmettre à tes enfants? Quelque chose que tu trouves important ou quelque chose que c'est une valeur que tu veux transmettre? Le sens critique, je trouve que c'est bien important, surtout présentement, là, dans l'époque qu'on vit. Le fait aussi d'avoir la capacité de faire ses propres recherches, puis de ne pas être crédule, puis d'être capable de changer d'opinion aussi. Parce que des fois, moi, je crois à quelque chose, je pense que c'est ça que les gens devraient penser, puis d'un coup, j'ai une conversation ou je lis un article ou peu importe, puis là, ben tout d'un coup, je vais changer complètement. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manque, c'est quelque chose que je trouve très important que mes enfants aient. Puis c'est ça, la capacité de faire ses propres recherches. Je trouve tellement que maintenant, tout le monde pose tout le temps la question « Où c'est que je peux trouver ça? C'est quoi ça? » Au lieu de juste googler. Mais c'est ce que je trouve aussi, puis je trouve que ça s'applique à nous autres dans le monde du tricot, puis il y a eu un petit peu un débat par rapport à ça, tu sais. Mm. C'est comme le monde qui chiale à cause du fait que « Oh, cette laine-là est trop chère! » Fais ta recherche! Oui! Je pense que les créateurs, ils ont une vision où ils se font fournir de la laine, mais je pense que même... Tu sais, c'est de faire ta recherche, pas de compter tout le temps sur le monde pour trouver des réponses. En tout cas, moi, je sais que des fois, je suis comme « Tabarouette, sérieux? »
Oui, c'est lourd. Moi, je trouve ça lourd. Puis, justement, par rapport aux teinturières ou même à la laine, quand tu sais d'où ça vient, comment ça a été fabriqué, le temps que les gens mettent là-dessus, bien là, c'est pas cher. T'sais, en fait, c'est pas assez cher. Je vois pas des ennemis, là, mais c'est pas assez cher. Mais c'est vrai. Mais tu sais, si t'es pas capable... c'est pas assez abordable pour toi, ben des fois, c'est juste de faire des concessions, dire, OK, je vais en prendre un petit peu de teinturier, puis je vais joindre ça avec la laine. Tu sais, mais c'est parce que le monde ne se donne pas la peine, ils veulent avoir toutes les réponses tout cru dans le bec, tu sais, c'est comme... Ouais. En tout cas. Non, puis je pense que, tu sais, le fait aussi qu'on est obligé tout le temps de dire tout ce qu'on pense, tu sais, si tu trouves la laine trop chère, ben t'es pas obligé de... Tu sais, j'en garde ça pour toi, là, tu sais, ça changera. Tu sais, de dire ça, qu'est-ce que ça va changer dans la vie? Est-ce que ça va vraiment faire en sorte que les teinturiers vont baisser leur prix? Non. Donc, à quoi ça sert? Tu sais, ça sert juste à donner de l'incertitude aux teinturiers, aux gens, aux créateurs. Ça sert absolument à rien, donc... Tu sais, des autres d'accord. Constructives, là, garde-les pour toi. Génial. Oui. Parachute ou plongée sous-marine? Même si tu n'en as jamais fait, si tu avais le choix, là, que tu aurais le goût de l'essayer, là. Plongée, un des deux. Plongée semble à l'heure, moi j'ai le vertige, jamais je vais faire du parachute. Hey, c'est quoi le film qui t'a fait le plus pleurer? Ça fait très longtemps que je n'ai pas pleuré sur un film. Mais je me rappelle, le premier film qui m'a fait pleurer, puis même j'avais été surprise de pleurer, ça s'appelait... C'est un vieux film, ça s'appelle La Petite Princesse. Là. C'est un film plus moi, je l'ai réécouté dernièrement, puis j'ai trouvé encore bon, mais tu sais, c'est peut-être plus catégorie enfant. Puis c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait placer dans un pensionnat pendant la guerre, puis son père s'en va à la guerre, puis son père disparaît. Puis vu qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, la méchante... Mère. Ouais, l'espèce de madame qui a la pension de jeune fille la met comme bonne à tout faire, là, puis elle la met dans le grenier, puis là, elle crève de faim, puis elle a froid. Puis elle a une petite amie aussi qui est là, qui fait aussi la bonne. En tout cas, bref, il se passe plein de choses. Puis là, à un moment donné, le majordome du voisin voit qu'ils ont faim, puis tout ça. Puis je pense que c'est Noël, quelque chose comme ça. Fait qu'il leur fait un gros festin. Puis quand la méchante, elle voit ça, elle appelle la police. Fait que les petites filles se sauvent dans la maison du voisin. Puis finalement, la petite fille, elle voit son père. Son père, il avait disparu, mais il avait été rescapé par ce monsieur-là. Mais il n'a plus de mémoire, puis il est aveugle. Fait que là, la petite fille n'arrête pas de crier « Papa, 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 papa! » C'est super triste, puis là, je... là, je dis ça, puis j'ai le goût de pleurer. Fait que c'est ça, mon film. Bon, c'est quoi le film qui t'a fait le plus rire? Mais là, je suis un très mauvais public pour les films drôles. Et pourtant, j'aime vraiment rire, mais souvent, je trouve ça tellement épais que c'est comme trop, là. Fait que je sais pas. J'ai rien qui me vient en tête. Je dis pas que je déteste écouter des comédies, j'en écoute souvent, mais rire aux éclats, je me rappelle pas quand est-ce que c'est arrivé avec un film. Moi aussi, c'est vraiment rare, pour vrai. Ouais. Hey, génial! Oui. À part de designer, t'avais-tu une carrière que t'as mise sur la glace ou t'étais une maman qui reste à la maison? Ou qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie? Là? dans le vrai monde? Dans la vraie vie, quand t'es pas une tricoteuse, là? En fait, moi, avant le COVID, j'ai été 8 ans photographe. Mais ça faisait quelques années que j'avais plus la passion, disons. J'avais plus la flamme. Donc là, quand le COVID est arrivé, on dirait que toutes les étoiles se sont alignées, là. T'sais, tout s'est aligné pour me donner la chance, disons, de prendre une année sabbatique puis me laisser le temps de voir ce que je vais faire plus tard. Mais je suis comme ça dans la vie, tu sais. J'étais 8 ans coiffeuse avant. Je n'ai jamais su exactement ce que je voulais faire dans la vie. Puis c'est ça, un coup que j'ai fait le tour, puis que j'ai l'impression d'avoir vraiment fait le tour, puis de ne pas être capable d'aller au-delà de ce que je fais présentement, là, je m'ennuie, puis j'ai le goût de changer, puis de repartir quelque chose de nouveau, là. Ouais. C'est correct. Oui.
Ouais, sauf que avant que je comprenne ça, c'était très angoissant, puis je me faisais souvent juger, tu sais. Comme, d'habitude, tu sais, les gens vont aux études, puis là, ils font une carrière, puis tout ça, puis là, moi, ben non. Tu sais, à un moment donné, je suis tannée, puis je suis écœurée, puis je veux plus rien savoir, puis c'est pénible, là. C'est vraiment pénible, j'ai de la misère à me lever le matin. Fait que là, j'étais là, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure d'abandonner tout l'effort que j'ai mis là-dessus, mais au bout du compte. Au bout du compte, je pense que ça te suit dans qu'est-ce que tu fais maintenant, moi, je trouve. Oui, vraiment. Regarde, ça tient ton esthétique, en tout cas. Oui. Non, je pense que, tu sais, dans tout ce que tu fais, tu gardes un petit peu qu'est-ce qui te sert quand tu avances, là. Effectivement, moi, c'est tout le temps ça que je dis. Je vais chercher des éléments. Tu sais, en photographie, j'ai appris un peu de graphisme, la photo, c'est sûr, l'esthétique, la composition, toutes ces choses-là. Fait que c'est sûr que ça me sert encore maintenant, là. Autant pour le tricot que pour ma musique. Dans le fond, ça se perd jamais, tout ça, là. Fait que... mm-hmm, absolument. Si tu veux voyager dans le temps, oui. À qui t'aimerais parler? Peut-être à Bouddha. Ouais! Ben, tu sais, c'était quelqu'un qui... C'était quelqu'un qui voulait comme l'élévation de l'être, tu sais, de devenir une version parfaite de toi-même, mais dans le côté spirituel, on parle. Fait que moi, ça m'impressionne. Ou tu sais, le Dalai Lama, je sais pas, il est pas mort, là, mais... tu sais, de voir ces gens-là, tu sais, qui s'élèvent vraiment au-dessus de leur individualité... ouais, c'est ça. L'espèce de montée spirituelle là, qu'ils ont, là, le lâcher prise du soi, l'ouverture des autres, ça m'impressionne beaucoup. Ouais. OK. C'est quoi ton rituel quotidien? Tu te lèves le matin, là? Ben là, je suis dans... moi, là, dans ma vie, j'ai essayé à peu près 300 000 rituels du matin. J'essaie toujours de trouver là, le best. Puis de ne pas retomber dans les mauvaises habitudes qui est le cellulaire en te levant le matin. Là. Malheureusement, c'est un peu difficile comme ça. Donc, là, présentement, ce que j'essaie de faire, c'est de me lever. C'est déjà ça, pas de rester dans mon lit pendant 2 heures. Puis j'essaie de dessiner à tous les matins, un petit peu, pour me pratiquer. Puis tu sens... de gros projets, juste faire un petit quelque chose, prendre mon café tranquille, déjeuner, puis là, après ça, souvent, je vais lire les nouvelles, là. Les jeux, tu sais, disons la presse, Radio-Canada, puis là, ce que je vais embarquer, c'est vraiment d'aller prendre des marches avec mon chien, parce que la pauvre petite, elle a été négligée un peu, fait que puis ça va pouvoir me réveiller un petit peu plus aussi. C'est quoi une règle que tes enfants ignorent tout le temps? Une règle. Ben là, ça dépend parce que j'en ai un qui est extrêmement... mon fils est très dans la perfection. Il écoute les consignes. Fait que c'est rare qu'il suit pas une règle. T'sais, d'habitude, on demande quelque chose puis il le fait. Je dirais peut-être accrocher son linge. Là, ça, c'est comme la chose qu'il déteste le plus au monde. Puis, mais tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, ma fille, ce serait genre le brossage de dents qui est bien dur dans la vie, là. Mais, tu sais, des règles qui en freinent. Tu sais, j'ai pas des enfants qui vont être vraiment tannants. J'ai des enfants vraiment calmes. C'est pas pour dire que... C'est pas pour me vanter ou rien, là. C'est juste qu'ils sont comme ça. On les a toujours traînés partout. Ils m'ont jamais fait de crise de bacon. Et, tu sais, c'est des enfants qui sont vraiment comme... Facile, là, tu sais, ma fille est en pré-ado, c'est un peu plus difficile, mais tu sais, c'est quand même des enfants très faciles. Là. Ouais. Ton épice préférée? Le cumin. C'est quoi ton talent secret? Mon talent secret. Ben, l'aquarelle, c'est comme nouveau, puis je trouve que tu débrouilles quand même assez bien. Quand même. As-tu comme un background ou t'as juste comme. Ben, je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune, avant d'avoir mes enfants. Puis, à un moment donné, je me suis mis à... Ah, c'est tellement ridicule. Mais je me suis mis comme à avoir de la difficulté à créer si ça servait à rien. Fait que, tu sais, dessiner juste pour dessiner, tu sais, dessiner... Si je dessinais, il fallait que ça serve à accrocher sur un mur, tu sais, pour décorer. On dirait que j'étais plus capable de créer juste pour le fun.
de créer. Fait que j'ai arrêté, puis là, je recommence tranquillement, pas vite. Là, j'ai plus de temps, donc... créer, je trouve que ça apporte l'inspiration dans plein de sphères, tu sais. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment important de recommencer. Absolument. Sinon, il y a quelque chose que j'ai commencé dernièrement, puis que j'aime beaucoup, c'est de la reliure. Moi, j'ai vu ça aussi. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça super le fun, tu sais, de faire des trous, de coudre. Quel pays t'aimerais visiter, Geneviève? Oh là là! Trop les pays! Fair enough! Ben, j'étais supposée aller visiter le Chili il y a 3 ans. Ça s'est pas fait parce que mon chum a eu des problèmes de santé. Puis c'est un endroit que j'aimerais vraiment aller visiter parce qu'on était supposé aller à l'île de Pâques. Puis ça, c'est un endroit que depuis que je suis jeune, je vais aller voir. Mm-hmm. Donc le Chili, ça c'est sûr. Puis tu sais, d'aller dans le nord du Chili où c'est qu'il y a les... Non, c'est pas vrai. Oui, le nord du Chili. Ça, c'est bizarre, le Chili, là, c'est très, 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 très long. Mais long, il reste de 3 heures, hein? Ouais. C'est toutes des collines antarctiques, fait que c'est l'hiver là-bas. Ouais, aller dans les Andes, aller voir ce que ça a de l'air, là, les femmes qui travaillent la laine traditionnelle et tout, là, avec les lamas, l'alpaga et tout. Sinon, l'Islande, mais tu sais, je sais que c'est pas très original, là. Moi, je voulais y aller avant que tout le monde y aille, là. Ça s'est pas fait. sinon, j'aimerais vraiment faire une espèce de retraite spirituelle à Bali, là. Quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Ça serait pas mal ça, mon top 3 présentement. Ton plat préféré? Ben, j'ai pas nécessairement de plat préféré, mais j'aime vraiment la cuisine thaï et la cuisine indienne. Là. Ça, c'est... Si on veut me faire plaisir, là... Puis c'est... Nous, moi et mon chum, on a habité 3 mois à Montréal, justement à cause de ses ennuis de santé. Puis on a mangé beaucoup d'Indiens là-bas, puis on n'en a pas dans ma région. Et là, je fais un appel à tous. S'il y a quelqu'un qui veut se lancer en cuisine indienne dans ma ville, s'il vous plaît. Ton cocktail préféré? Moi, je bois pas d'alcool. Fait que c'est souvent, disons, un virgin mojito ou quelque chose comme ça, là, ben ordinaire. Là. Ouais. Et au café? Café. Geneviève? Mon animal spirituel? Je dirais le chat. C'est pas original. OK, pourquoi? Ben, tu sais, c'est un... Moi, j'ai tout le temps eu des chats aussi, là, mais tu sais, c'est comme... C'est super indépendant, c'est... Ça fait ses affaires quand ça a l'air à faire ses affaires, tu sais. C'est comme... Puis sinon, ben, j'adore. Puis moi, je suis une très, 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 très grande dormeuse, que ça fit vraiment avec moi. Si ta vie était un film, ce serait quoi le titre? J'en ai parlé avec mon ami hier, puis là, j'étais là, la vie d'une névrosée, puis là, t'es là, arrête! Je suis très, très, très dans ma tête, là, tout le temps, en train de me questionner et tout. Je sais pas. Ça pourrait être genre le petit fleuve tranquille ou quelque chose comme ça, parce que dans ma vie, tout s'est tout placé. Tu sais, j'ai vécu des difficultés comme tout le monde, mais ça, tu sais, j'ai tout vécu. Tu sais, j'ai rencontré mon chum il y a 20 ans, on est toujours restés ensemble, parce que c'est quasiment un de mes premiers chums. On s'est mariés, on a eu des enfants, on a eu une maison, tu sais. On n'a jamais eu de grosses difficultés et tout. Fait que c'est ça, c'est comme... Une vie tranquille, parsemée de petits projets, là. C'est ça. C'est correct. Hey, une chose que les gens seraient surpris de savoir sur toi. Ben, mon entourage, je sais. Je sais pas si des fois le monde est... Quand j'en parlais à du monde qui me connaissait pas beaucoup, ça les surprenait, là, mais je suis quelqu'un de très, très anxieux. Fait que je me remets toujours, toujours en question. J'ai tout le temps peur de ce que les gens pensent de moi. Fait que c'est ça. C'est ce qui étonne peut-être les gens, là, parce que des fois, j'ai de l'air bien. J'ai de l'air. Tu sais, je suis tout le temps joyeuse. Quand je rencontre des nouvelles personnes, je suis quand même assez sociale et tout. Je parle et tout. Mais ouais, je suis bien, bien anxieuse. Ton émission de TV préférée de tous les temps? Ben, je dirais les Gilmore Girls.
très spirituel, ça non plus. Mais. En plus, des fois, du palette cleanser, tu sais, une petite affaire bien relax. Là. Oui, ben moi, je l'ai écouté la première fois, j'avais l'âge. Ben, tu connais ça, Nicole Morgan? Mm-hmm. C'est ça, la première fois, je l'ai écouté, j'avais l'âge à Rory, donc la fille. Oui. Fait que je me. Tu sais, c'était le fun de voir un personnage de mon âge et tout. Puis, je l'ai réécouté à l'âge de la mère de Lorelai, il y a quelques années. Hey, là, c'était bizarre parce que je m'identifiais plus à Rory, là. Je m'identifiais à Lorelai. Fait que c'était vraiment spécial, c'était le fun. Puis, tu sais, aussi de le voir avec la perspective d'une mère. T'sais. Puis, il y a une autre chose que j'ai vraiment adorée. C'est que c'est une émission des années 90, hein. Fait qu'ils mangent de la junk non-stop. Pizza, bonbons, ils boivent de la bière. Pas de la bière, mais... T'sais, ils boivent la cochonnerie, ils mangent tout le temps des hamburgers, ils boivent du café, puis ils trouvent que ah les... oui, moi, il y a du monde, là, je sais pas pourquoi, je sais plus à qui je parlais de ça, mais il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, c'est incroyable la quantité de café que Rory a boit à genre 15-16 ans. Moi, j'avais jamais comme vraiment pensé à ça, j'étais comme, aïe, c'est vrai! Puis, tu sais, au début, là, dans les premières saisons, tu sais, ceux qui boivent des cafés lattés, des choses comme ça, c'est des snobs, arc-arc, tu sais. Puis après, tu regardes des affaires comme Gossip Girl ou. Tu sais, puis là, ils sont là avec leur mochaccino, tu sais, avec le lait écrémé vegan. Puis, tu sais, ils sont tous vegan, ils mangent rien, ils sont tout le temps au régime. Fait que, tu sais, c'est quasiment le fun, tu sais, c'est jouissif de regarder le Game of Girl parce qu'ils sont là en train de se faire des orgies de bouffe non-stop. Puis là, tu te dis, ah! Ton groupe de musique préféré de tous les temps? Ou un chanteur-chanteur? Radiohead, que j'adore, vraiment. C'est sûr que là, ils font... Tu sais, j'ai plus lâché là, dans les derniers albums, là, mais tu sais, c'est vraiment représentatif de l'époque quand j'étais au secondaire, là, donc c'est sûr que c'est nostalgique un peu. Nirvana, beaucoup, beaucoup. J'adore Nirvana. Puis tu sais, là, c'est drôle parce qu'en vieillissant, je m'aperçois que je suis accrochée à mes groupes d'adolescentes vingtaine, comme mes parents sont accrochés à leur vieux groupe de musique. Puis c'est fou, tu sais. Moi, je me disais, oh mon Dieu, vous êtes out. Puis là, ben maintenant, c'est moi qui est out. Parce que. C'est correct. Ouais, c'est ça. Mais sinon, puis plus récemment, oh, Colin, j'ai oublié son nom. J'aime bien la musique quand je travaille, genre, pas électro-lounge, là, tu sais, comme. Oh, ouais. Beat, là. Fait que ça, j'aime. J'écouterais pas ça dans mon auto, mais pour travailler, c'est vraiment ça que j'écoute, là. Ça me tape pas ses nerfs, puis ça garde un petit. Ouais. La dernière chaîne YouTube que tu as regardée? C'était Volovine. C'est une podcasteuse new-yorkaise. Mm-hmm. J'aime vraiment son format qui est super court. Ben, non, j'aime les podcasts longs, par exemple. Ça, parce que là, tu sais, il y a l'espèce de débat, c'est trop long, c'est pas assez long, là. Mais moi, j'aime vraiment ça quand ça dure longtemps. Mais j'aime son format, genre, assez concis à chaque semaine, puis elle parle de ses projets, mais tu sens qu'il n'y a pas de rush à ce qu'elle ait des projets finis ou... Tu sais, elle fait juste montrer ce qu'elle a fait dans la semaine, puis ça, j'aime vraiment, vraiment ça, cette façon-là. Puis je trouve que c'est un podcast qui est très professionnel, tu sais, elle a toujours la même intro, elle parle très bien, tout ça. Fait que c'est pas mal un des podcasts anglophones que j'aime beaucoup, puis que je suis capable de suivre parce que mon anglais n'est pas top top. Fait que... Ton site web préféré? Ah, ben là, je me suis inscrite à Skillshare il n'y a pas longtemps. Je m'étais inscrite là 6 mois à peu près, puis finalement, j'avais plus ou moins regardé qu'est-ce qu'il y avait dessus. Puis là, je me suis réinscrite dernièrement, puis oh mon Dieu, c'est... Là, c'est... j'écoute moins de podcasts parce que je suis tout le temps sur Skillshare. À chaque fois que je veux de quoi... Là, là-dessus, tu sais, disons la reliure, là, je cherchais des vidéos YouTube puis tout ça, puis je trouvais pas ce que je voulais exactement. Je disais, ah, attends, je vais aller voir sur Skillshare. 28 vidéos sur la reliure sur Skillshare. Il y a tout là-dessus. Fait que... Skillshare, il y en a un autre qui s'appelle Creative Life, puis. Ah, oui, ça aussi, je connais. Puis Crafty, sont revenus, sont plus blueprints, sont revenus Crafty, là. Des fois, il y en a des bons aussi sur.
sur Craftsy. Ben, qu'est-ce qui est le fun avec Creative Live, c'est que quand les cours tombent en spécial, ils sont vraiment pas chers, puis tu peux les acheter puis tout le temps les avoir. Fait que ben, moi, j'ai beaucoup appris en photographie sur Creative Live. Là, j'ai suivi je sais pas combien de formations là-dessus. Là, fait que c'est vrai que c'est un super de beau site. Là. Ouais. La plus grande surprise que tu as jamais eue? Quand on m'a dit que j'allais avoir un garçon, je pense que c'était ça. Quoi, tu penses que t'étais comme une usine à filles? Moi, chez nous, dans ma famille, là, c'est comme... Ils font des filles. Parce que moi, oui. Ben moi, tout le monde m'avait toujours dit que j'allais avoir des filles. Moi, dans ma tête, j'allais avoir des filles. Moi, j'ai une soeur 10 mois plus jeune que moi. Fait que moi, dans ma tête, ma fille allait avoir une soeur. Tu sais, c'était calculé. Mon chum, il voulait des filles. Tu sais, mon beau-frère a eu des gars. Nous, on allait avoir des filles. Et là, j'arrive à l'échographie. Puis, elle me dit... Et puis là, elle met le truc mûche sur l'écho, tu sais. En fait, ce qui est arrivé, c'est que mon fils avait... Il pensait peut-être qu'il y avait le spina bifida, tu sais. Époque stressante de ma vie. Fait qu'on a eu une écho à 18 semaines pour faire sûr qu'il n'y avait pas le spina bifida. Puis là, la gynéco nous dit, est-ce que vous voulez savoir le sexe? Puis on a dit, ben on va attendre les résultats de l'écho, voir s'il est en santé. Puis après ça, on regardera si on veut le sexe. Mais en mettant le truc sur mon ventre, le truc d'écho... C'est la première fois qu'on a vu. Mais là, personne n'a parlé. Fait qu'elle fait l'écho, tout est beau, il est parfait, il est en santé. Puis là, elle dit, est-ce que vous voulez savoir? Puis là, moi et mon chum, on s'est regardé en riant, tu sais, puis on a dit, ben ouais. Puis là, elle dit, c'est un gars. Fait qu'on a fait comme, ah, tu sais, on a dit. Mais moi, là, j'étais traumatisée. Tu sais, j'étais contente d'avoir un bébé en santé, c'était ça l'important, mais oh mon Dieu, j'étais dans l'auto, puis j'étais là. Qu'est-ce que je vais faire avec un gars? Qu'est-ce que je vais faire avec un gars? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec un gars? C'est trop drôle. Et là, je peux pas me mettre à quatre pattes puis jouer aux autos. Non, tu sais, je veux pas un enfant parce que, tu sais, nous, on habite dans une ville qui est quand même très minière et tout, là. Fait que, tu sais, des pépines, des gros camions, tout le monde a des pick-up, tu sais, c'est comme les petits gars, souvent, c'est ça, là. Hey, ce qui les bébelles, puis les motos, puis les quatre roues. Hey, c'est tellement loin de notre famille, ça, tu sais. Puis là, j'étais là, moi, je veux pas un petit gars qui est dans la fenêtre. Oh! Quatre roues, c'est tout! Ah, je capotais. Ah, c'est trop drôle. Mais, en tout cas, finalement, un mois après, genre, j'ai fini par en revenir. Oh mon Dieu, honte à moi! Je dis ça, puis tout le monde va savoir ça. En tout cas. C'est vraiment drôle, sans blague. Finalement, là, ce qui est drôle, c'est que mon fils est ultra intellectuel. Lui, son buzz, c'est de lire des encyclopédies. Il n'a jamais trippé ses camions. Lui, il trippe dinosaures, animaux, toutes ces affaires-là. Fait que, il a atterri dans la bonne famille. C'est merveilleux. Oui, vraiment. Moi, mon fils, le matin, c'est comme Wikipédia, là. C'est toujours « Maman, savais-tu que... » C'est trop cool, pareil. Oui. Puis c'est ça, comme tantôt, je disais que ma fille, elle avait moins de points en commun, mais tu sais, mon fils, il aime jardiner, il aime la nature. On est allé aux champignons avec, il trippait bien raide. Fait que, c'est ça, il me ressemble plus de ces côtés-là. Puis, l'autre chose, c'est que, oh mon Dieu, ma fille n'est pas très affectueuse. Mon gars, il est affectueux, là. C'est fou raide. Le matin, il se levait, puis il me flattait le visage, puis il me disait, oh, t'es belle, maman, t'es belle. Il est donc bien cute. J'ai pas aimé cet enfant-là. Hey, d'après toi, c'est quelle décennie a le meilleur sens du style? Quelle décennie? Oh là là! Le meilleur sens du style, à ton avis? Ben, je pense que les années. Je pourrais pas dire parce que là, je suis pas une calée en décennie, là, mais tu sais, vraiment, les années, disons, 20, 30, 40, 50, là, tu sais, quand les femmes, là, il y avait là, la chaussure, le sac, le chapeau, tout fitait, les beaux manteaux, puis tout ça. Ouais, je pense que c'était ça. C'est sûr que, tu sais, j'aime le côté très éclectique de présentement, tu sais, que tu peux voir une fille avec des oreilles de chat, puis, tu sais, puis qu'à côté, t'as la fille qui travaille dans un bureau avec des talons aiguilles, tu sais. Ça, j'adore ça, j'aime, puis tu sais, on parle pas de la côté libération de la femme et tout ça. Là. Mais c'est sûr que ces années-là où est-ce que les gens se mettaient beaux, c'était, je trouvais que c'était, c'est ça, c'était beau. Les designers aussi, tu sais.
On a l'impression, moi j'ai l'impression que tout vient un peu de là, toujours. Tu sais, quand on regarde des défilés et tout ça. C'est vrai. Même les styles qui reviennent maintenant, comme même pour nous, là, tu sais, je veux dire, au niveau de la mode et tout ça, là. Oui. Je veux dire, tout est cyclique, tout finit par revenir. Oui. Hey, c'est quoi la chose la plus folle que tu as jamais faite pour quelqu'un? Tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même très insécure et tout. Puis là, à un moment donné, mon chum, il avait été faire une formation à Montréal. OK. Puis il était parti pendant 2 semaines. Puis je l'avais appelé, puis j'avais dit, j'ai acheté un billet d'autobus, je m'en viens. Parce que je n'étais pas game de prendre l'auto. J'étais jeune, 21 ans. Puis je suis montée en autobus, gros mal de cœur, jusqu'à Montréal. Pour aller le rejoindre. Oh! Ouais. Pour aller le rejoindre 2 jours. Fait qu'on a passé 2 jours à Montréal, puis après ça, je suis revenue en bus. Ben, c'est cool, ça! Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais eu le courage? Oh, voyager tout seul. J'aimerais pas être dépendante de quelqu'un pour voyager. J'ai pas voyagé beaucoup. J'ai fait un voyage aux États-Unis à date, là. Mon but, c'était qu'après, je voyage à chaque année. Puis finalement, c'est ça, il s'est passé plein de choses. J'ai pas pu. Mais ouais, c'est ça. Voyager seul, j'aimerais vraiment ça être game de le faire. Là. T'es-tu plus camping dans le bois ou aller t'écraser sur une plage ou genre dans un resort, là, quelque chose de très encadré ou t'es plus comme... Ben, ça va dépendre de mon état d'esprit. Je suis pas très camping. Mais si on parle voyage... C'est ça. Disons que si on parle entre camping puis hôtel, je prendrais hôtel. Mais si on parle de voyage... Patac 100%. Moi, des resorts, là, tout inclus, ça m'intéresse 0000. Quand on est parti aux États-Unis avec mon ami pendant 2 semaines, on est arrivé là-bas, on savait qu'on atterrissait à Las Vegas puis qu'on partait en auto après, mais on savait pas c'est qu'on s'en allait là. À tous les soirs, on ouvrait Pinterest, voir qu'est-ce qui était intéressant à visiter dans les États où c'est qu'on s'en allait, puis on partait en auto puis on s'en allait là. Où c'est que la vie nous mène. C'est bon, ça? Oui. Hey, il te reste 2 heures à vivre, qu'est-ce que tu fais? Oh là là! Ah, oh, ben là, c'est sûr que, tu sais, je vais coller mon chum puis mes enfants, là. Tu sais, c'est sûr, 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 là. Fait que je pense que ce serait juste comme déflatter puis dérassurer, puis... ouais, je ferais rien de... Tu sais, quand t'as une famille, tu sais, je ferais rien de fou, là. Ou... Ouais, 2 heures, ça laisse pas bien ben de temps. Tu sais, moi, je suis en Abitibi. Il n'y a pas grand-chose autour, là. Quelque chose de positif qui t'est arrivé aujourd'hui ou cette semaine? Oh! Ah, oh, ben là, il y a quelque chose de tellement positif qui m'est arrivé dernièrement, mais je peux pas en parler. OK. Ouais, mais sinon, positif... Ben, rien de grandiose, mais plein de petites choses, finalement, là. Hey, burger ou tacos? Comment? Burger ou tacos? Tacos. Ça me l'alarme. OK. T'es-tu plus une appeleuse ou une texteuse? Ah, une texteuse. Moi, ça m'angoisse d'être obligée d'appeler. Sur quoi tu dépenses trop d'argent? Ben là, moi, c'est par vague, là. Fait que pendant un bout, c'était la laine. Mais là, maintenant, j'ai 7 quantités chandail. Fait que là, je veux plus acheter de laine. Puis là, présentement, c'est du matériel d'artiste, là. Fait que je commence à m'équiper tranquillement, pas vite. Fait que là, ben, je dépense peut-être un petit peu trop là-dessus. Puis des livres. Aussitôt que je finis un livre, je vais en acheter un nouveau. Fait que c'est pas mal mes principales dépenses. Comment tu définis le succès, Geneviève? Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se transformer parce que pour moi, pendant longtemps, le succès, c'était l'espèce de vision erronée là, de la chef d'entreprise qui a réussi, puis qui est rendu big, puis tout ça. Puis maintenant, je pense que le succès, c'est une question d'équilibre entre toutes tes sphères de vie, premièrement. Mm-hmm. Puis, dans le fond, d'accomplir ce que... De réussir à accomplir, pas ta to-do list, là, mais tes ambitions, mais réelles, tu sais. Je pense que c'est un peu ça.
Fait que dans le fond, moi, je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression dans la vie, tu sais, pour grossir, être reconnue et tout. Puis là, c'est quelque chose que je veux comme plus dans ma vie parce que c'est comme juste du vent, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que le succès, ben c'est sûr que, tu sais, c'est le fun d'être reconnue, de savoir que les gens te connaissent, tu sais, disons... Ou apprécier qu'est-ce que tu fais, là, surtout, je pense. Oui, c'est exact qu'est-ce que je fais, là. Mais tu sais, en même temps, je veux pas me comparer aux autres. Tu sais, c'est ça aussi, le pas te comparer aux autres, là, tu sais. C'est ça. Fait que je pense que, tu sais, on est tellement rendu une société où est-ce qu'on reconnaît juste ceux qui sont devenus millionnaires et tout ça. Je trouve ça un peu triste, là. Le succès, c'est pas juste ça. Je suis tout à fait d'accord. Et quand tu vas être vieille, c'est quoi, quelles histoires t'aimerais que tes enfants te demandent de raconter? Peut-être comment j'ai rencontré mon chum. J'aimerais aussi qu'ils me demandent un peu d'où ils viennent, là, les histoires familiales des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Là. Moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment super important. Je me suis toujours... intéressée à la généalogie et tout ça, là. Fait que c'est ça. Fait que, sur le côté à mon père, on a toute notre arbre généalogique là, jusqu'en France puis tout ça, c'est vraiment cool, là. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'ils me posent des questions là-dessus, là. Ouais. C'est quoi la dernière photo que tu as prise? Oh là là! Tantôt, c'était un selfie pour montrer à mon amie que je m'étais mis belle. Juste pour moi! Yeah! De bienfaisance mérite le plus d'argent? Oh là là! C'est pas facile! Moi, je suis de même. Tu sais, on pense des fois des petites questions faciles à des affaires un petit peu plus deep, là, tu sais. Oui, ben non, c'est correct. Moi, j'aime ça, les questions comme ça. Ah! Oh, ben, je pense que la cause des enfants, c'est que les enfants vivent dans un milieu sécuritaire, qu'il y ait de la nourriture, puis qu'il y ait de l'amour. Fait que, tu sais, ça me touche vraiment gros parce que je pense que tous les problèmes de société découlent de l'éducation des enfants. Parce que si les enfants sont pas bien encadrés et tout, c'est là que... Je dis pas qu'ils vont tout virer mal, là. T'sais, moi, je viens d'un milieu défavorisé, puis j'ai pas viré mal, en tout cas, je pense pas. Mais je pense que c'est de leur donner la chance de pouvoir se développer, puis de donner au suivant par après. Puis je pense que dans une société, ça prend des enfants qui sont sains, bien sains, qui ont grandi sainement, puis qui ont de l'éducation. Puis je pense que ça pourrait régler beaucoup de problèmes dans la société. Qu'est-ce qui était cool quand tu étais jeune, mais qui est plus très cool maintenant? Fumer la cigarette, peut-être! C'est drôle, hein? Moi, à chaque fois que je pose cette question-là, je m'attends à ce que les gens disent quelque chose de même, puis oui! Moi, je me rappelle, j'étais jeune, puis tout le monde, c'était comme, tu sais... En tout cas, yeah. Oui, ben tu sais, moi, j'ai fumé... Je pense 6 mois quand j'étais en troisième secondaire à peu près, 14 ans. Puis je m'étais jamais acheté un paquet de cigarettes. C'est tout le monde qui me donnait des paquets de cigarettes. Puis à un moment donné, je me suis acheté un paquet de cigarettes, mais j'en devais tellement à tout le monde que mon paquet s'est vidé en 3 secondes et quart. Il se vend trop cher cette affaire-là, puis j'ai arrêté de fumer. I love it. Qu'est-ce qu'il faudrait moderniser, Geneviève? Oh là là! Tout! Moi, j'ai vu tellement de frustration présentement parce que là, le gouvernement, tous les gouvernements prennent des projets de société, disent qu'ils vont, tu sais, à cause du COVID, ils veulent aller vers des énergies vertes, ils veulent aller vers l'achat local, puis tout ça. Puis je trouve tellement que c'est compliqué leur affaire, tu sais. C'est comme, ça donne l'impression qu'ils disent ça d'un bord, mais après ça, ils subventionnent des pétrolières ou des trucs de même. On dirait qu'ils... Fait que ça, là-dessus, là, changer la grosse machine, puis qu'il y ait des vraies actions qui se passent. Quelles compétences de vie sont rarement enseignées, mais qui sont super utiles? Mes enfants, ils suivent des cours d'éthique et culture à l'école. Puis j'ai vraiment pas l'impression qu'ils parlent d'éthique. Je comprends pas trop c'est quoi le but de ce cours-là, puis j'aimerais ça qu'il y ait des vrais, vrais cours d'éthique. Puis des cours de philosophie aussi. Je trouve que on est tellement rendu dans une société où est-ce qu'on veut créer le travailleur pour combler le poste,
puis qu'on on nourrit pas l'imaginaire, on nourrit pas le cerveau, là. T'sais, comment tu veux voter comme du monde si t'as pas de culture générale, c'est ça. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être enseigné, là. Les matières non importantes pour les travailleurs, mais qui développent l'être humain, là. C'est quoi la chose la plus gênante qui t'arrive régulièrement? Tu sais, quand moi, là, je suis genre à dire des phrases qui ont un double sens, mais que je comprends pas le double sens. Puis là, ça crée un malaise. Tu veux-tu nous donner un exemple? Hey, là, l'exemple, là, ça fait un... Ouais, disons, l'exemple que je pourrais parler, là, qui m'a vraiment marqué, là, ça date d'un petit bout, là, mais c'est à la petite laine. J'en reviens pas. On rencontre Gisabelle B. Puis là, elle dit qu'elle a besoin de prendre une gomme. Puis j'ai dit, ouais, c'est vraiment une bonne idée, ça. Puis là, elle dit, hey, mais là, c'est parce que je sens mauvais de la bouche? Et moi, je m'aperçois de qu'est-ce que j'ai dit. Là, je dis, non, tu sais, je l'avais jamais rencontrée, cette fille-là, puis je veux dire ça. Mais quelle conne! Ah, oh, c'est trop drôle quand même! Moi, dans ma tête, c'était oui, c'est une bonne idée, parce que moi aussi, j'en veux une, tu sais. Oh. Hey, c'est quoi la dernière dépense folle que t'as faite? Ben, c'est une dépense folle, mais pas folle, parce que en fait, j'avais un gros appareil photo pour quand je travaillais en photo. Mais c'est un appareil qui est professionnel et tout, mais qui est très lourd. Fait que je le traînais rarement juste pour moi, pour le fun. Donc, je l'ai vendu, puis je me suis racheté un appareil au prix égal, mais vraiment un appareil compact, puis qui fait du super de beaux vidéos. Fait que c'est vraiment ça ma dépense folle. Dans le fond, j'aurais pu garder l'argent puis payer mes dettes, mais je me suis acheté un gros appareil. Un petit, mais très performant appareil photo. Hey, c'est quoi ta dernière recherche Google? Je crois... la dernière que je me souvienne... La dernière que je me souvienne, je pense que c'était parce que tu as une question qui disait quelle chanson te rend nostalgique, là. Puis, j'ai une chanson, mais je ne me rappelais plus c'était qui la chantait, fait que je l'ai googlée pour savoir c'était qui la chantait. C'est quoi ton plus grand rêve? Bien, pour ma famille, ça soit que tout le monde reste en santé puis que mes enfants ils puissent s'accomplir dans quelque chose qu'ils aiment vraiment. Puis okay. Qu'ils ne soient pas obligés de faire quelque chose par dépit, ce que je trouve là, qui est vraiment très triste. Ce qui m'est aussi un peu arrivé parce qu'au secondaire, j'avais pas vraiment des super de bonnes notes puis j'avais un orienteur vraiment comme épais qui arrêtait pas de me dire « Ouais, mais t'as pas les notes. Ouais, mais t'as pas les notes. » Sans jamais m'orienter vers d'autres choses. T'sais. Fait que je me suis ramassée à penser que j'avais pas les capacités pour faire quoi que ce soit. Fait que dans le fond, que mes enfants réussissent puis qu'ils fassent ce qu'ils veulent vraiment. C'est sûr que un de mes grands rêves, ce serait de vieillir avec mon chum parce qu'il y a eu un cancer puis on sait que ça va éventuellement revenir. Donc, c'est sûr que je pense que mon plus grand rêve, ce serait de mourir à 90 ans à côté de mon chum. C'est de vieillir à côté de lui puis que ça revienne pas, que ça fausse les pronostics finalement. Ah! Oh, ben, c'est un méchant beau rêve. Oui! Hey! Geneviève, guess what? Quoi? Question fibreuse, qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui! Hey, qui t'a appris à tricoter? Ma mère, mais c'est très drôle parce que ma mère, ma mère me montrait à tricoter quand j'étais très jeune, mais je trouvais ça vraiment trop long, fait que j'ai commencé à crocheter. Ouais. J'ai crocheté pendant très très longtemps, puis quand j'ai eu ma fille, ben là, je trouvais, tu sais, la mode était moins au crochet, était plus au tricot, puis là, j'avais le goût de tricoter des vêtements, fait que ma mère était venue l'après-midi, puis elle m'a montré comment monter des mailles, puis tricoter du point mousse. Puis là, elle me dit, la semaine prochaine, je vais revenir. Tu sais, tricote-toi un foulard, puis un bout de foulard. Puis la semaine prochaine, j'en reviendrai, puis je te montrerai d'autres points. Puis finalement, quand elle était revenue, j'avais tricoté un chandail à ma fille. Fait que. C'est trop cool. Ma mère a dit, oh, je OK. If you want to be like that, c'est correct.
Mais je suis quelqu'un qui apprend très, très facilement avec des tutoriels, avec des livres. Je suis vraiment autodidacte dans la vie. Fait que moi, tu sais, c'est ça. Mané m'emmerdait avec le point mousse. Puis j'ai regardé dans le Reader Digest comment faire du aller-retour, du envers et du endroit. Puis je suis partie avec ça. Puis... Mais c'est bon, ça. C'est quoi? Qu'est-ce que le tricot t'apporte? Bien, de la satisfaction. Tu sais, la satisfaction de pouvoir créer quelque chose, là. Ça, c'est beaucoup, mais. Je dirais majoritairement la communauté. Ça m'a apporté tellement là-dedans. Dans les dernières années, je me suis fait des amis super géniales à cause du tricot. Toute l'espèce de communauté, tu sais, quand tu vas dans les festivals et que tu reconnais des gens puis que là, tu leur parles comme si tu les connaissais. Comme si ça faisait 15 ans, mais ouais. Oui. Oui, fait que vraiment la communauté qui est vraiment, je trouve, une super de belle communauté. Tu sais, c'est... Bon, il arrive tout le temps des petits dramas, là, mais tu sais... C'est comme la vraie vie, là. Oui, c'est ça. C'est comme... Ouais, mais c'est tellement positif, tu sais. C'est rare qu'il y ait du jugement ou il y a quoi que ce soit. Tu sais, il y a beaucoup d'entraide, il n'y a pas de jugement. Tout le monde est fin avec tout le monde. Tout le monde est ouvert à tout le monde. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Fait que non, je trouve que c'est vraiment une super de belle communauté. Ouais, t'as l'impression de faire partie d'un univers qui est pas à la portée de tout le monde. Genre, tu fais partie d'un club select. D'accord. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le design? Parce que là, on s'en vient plus vers Geneviève, la designer. Hey, ça fait bizarre ça. Je me sens comme un peu imposteur. Je pense qu'on se sent tout imposteur un peu, tu sais, je veux dire. Qu'est-ce qui m'a... Ben, je sais pas. Je trouvais ça hot, tu sais. Je les trouvais hot, moi, les designers. Clairement, je voulais pas devenir teinturière. J'ai une amie qui est teinturière, puis, ben, tu sais, pour avoir teint un peu avec elle, je me suis aperçue que c'était pas du tout... c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait au quotidien, là. C'est quelque chose qui est quand même assez répétitif, là. Fait que ça me plaisait moins. Fait que, je sais pas, c'est ça. Je trouvais ça vraiment hot, toutes les créations, puis tout ça. Puis c'est, je trouve que c'est une façon de s'exprimer aussi. Puis je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à apporter de nouveau. Ben, de nouveau. Je dis pas nouveau, mais tu sais, d'apporter ma petite touche à moi. Fait que je me suis décidée à créer un design de bas comme pour commencer puis voir si j'allais aimer ça. Ouais, fait que c'est ça. Mais après ça, tu sais, je me suis aperçue que, tu sais, avec le travail puis tout ça, c'est quand même assez intense, là, de designer. Fait que là, depuis que je travaille plus, là, j'ai vraiment le temps de m'y mettre à 100%. Fait que... C'est sûr que je suis pas très rapide là, parce que je commence. Je n'ai pas toutes mes questions. Ouais, fait que ouais. C'est plus long pour moi sûrement que pour des gens que ça fait longtemps qu'ils designent. Mais c'est ça. C'est comme n'importe quoi. Hein? Je veux dire, ton processus créatif, ça a l'air de quoi? J'aime bien avoir déjà la laine. Pour faire, tu sais, souvent la laine va m'inspirer un projet. OK. Puis sinon, ben je commence par me poser la question, qu'est-ce que j'ai le goût de porter? Qu'est-ce qui me manque dans ma garde-robe? Parce que je suis aussi quelqu'un qui est très minimaliste dans ma garde-robe, fait que j'essaie de voir c'est quel morceau que j'ai besoin. Tu sais, pour avoir 28 000 chandails tricotés. C'est un peu ça que j'ai présentement, puis je trouve ça un peu intense, là. J'ai pas le temps de toutes les porter, là. Fait que là, je me dis, bon, ben qu'est-ce que j'ai de besoin? Deuxième question. Après ça, je vais aller regarder beaucoup les défilés de mode. Là. Je ne vais pas aller m'inspirer de ce qui est en boutique ou rien. Je vais vraiment aller voir ce qui est sorti en 2020, automne 2020 ou automne 2021 dans les défilés haute couture. Puis la couture, ce qui est. Ben, la couture. C'est pas vraiment la couture, mais le tissu m'inspire aussi. T'sais, des fois, la broderie sur un chandail, comment il est placé ou. De regarder comment je peux transmettre ça dans le tricot. Fait que des fois, ça m'inspire une construction ou ça m'inspire un modèle de dentelle, des choses comme ça. Fait que, mais j'essaie vraiment, vraiment de ne pas regarder ce qui se fait sur le marché ou ne pas me laisser influencer par... Par le prêt-à-porter. Ah ouais. C'est ça. Puis par le... Ben, oui, en fait, moi, je trouve... Comment je peux dire ça?
Je trouve que des fois, le tricot va pour mon goût à moi, là, le tricot, des fois, va un peu trop loin du prêt-à-porter. T'sais, moi, il y a des choses que je vois en tricot que je ne porterais pas parce que je trouve que c'est trop loin de mon style. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais je me vois pas porter. C'est ça. Fait que le prêt-à-porter m'inspire parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des vêtements designés au tricot qui sont très, très près du prêt-à-porter. Fait que ça, c'est sûr que ça m'inspire, mais dans le sens que, tu sais, je ne voudrais pas copier un modèle de Cézanne ou, tu sais, de magasin de linge, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que j'essaie de m'inspirer plus comme de la haute couture, puis de ce qui est cousu et tout. C'est ça. C'est bon, ça! Ouais! Ah, puis les émissions de télé aussi! Des fois, les gens, ils portent de quoi, là, dans une émission de télé, puis je suis comme... Je fais un print screen, puis après ça, je vois, tu sais, comment je peux le mettre à ma sauce, là. Ouais. Mais c'est bon, ça! Oui. Ça, j'aime ça. Hey, Geneviève! Oui! C'est quoi tes encours? Ah! Ben là, j'ai l'encours que je peux pas te montrer, mais qu'on va parler bientôt. Mais là, j'ai l'interdiction d'en parler. C'est la chose la plus difficile de ma vie, ça. Mon Dieu! OK, ben t'as un projet secret. Oui, okay. Un projet secret que je peux pas montrer, puis c'est mon principal projet présentement. Mais OK. Mais deux autres qui sont en cours, mais que, tu sais, je vais... sûrement terminé plus en janvier parce que là, j'ai un projet secret qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est bon? En fait, c'est deux designs. J'ai celui-là ici. Voyons, je vais essayer de trouver le devant. Ça va aller mieux. Okay. Fait que j'ai celui-là ici qui est comme un... C'est un cache-cœur. On le voit-tu bien? Okay. Ben oui. Mais il me manque une manche, là. Fait que c'est pas clair, là. Mais c'est ça. C'est un cache-cœur qui est croisé en avant. OK. Bon, cool! Voilà. Oui, c'est ça. Avec la petite manche ici. Fait que c'est épaule tombante, là. Puis, il est quand même assez décolleté, mais pas trop, là. T'sais, on peut le porter sans camisole en dessous, là. Fait que c'est fait en bébé souris puis en lace. De Léa Flora. Ouais. Ça, c'est un design. Fait que il n'y a pas de patron pour ça encore. Ça va s'en venir en janvier ou plus tard parce que oui. C'est en construction. Oui, c'est ça. Dans le fond, le patron est écrit, mais là, j'ai dû prendre une pause, puis je suis comme plus sûre de mes affaires, ça me stresse trop, fait que je vais finir, puis je vais en retricoter un autre pour faire sûr que mon patron, il a de l'allure, puis après ça, je vais pouvoir le faire tester. Parfait! Puis je l'aime, fait que c'est pas grave si j'en ai deux. L'autre projet en cours que je fais quand que je peux pas montrer, disons, je vais tricoter avec mes amis, puis que je peux pas montrer parce que je peux pas montrer mon projet secret. Dans le fond, c'est... ben, tu sais, moi, j'ai designé une camisole cet été. Oui. Valériane. Puis, ben, mm-hmm. J'ai beaucoup de demandes pour faire un chandail, parce que c'est pas tout le monde qui porte des camisoles. Mm-hmm. Fait que j'ai décidé de faire un chandail. Puis là, ben, il est noir, hein. C'est spécial. Je sais pas si on va... Oh! OK, attends. Oui, là. On voit-tu? Je pense que oui. Ouais. Fait que là... la réflexion du soleil dans mes lunettes, là, je suis pas sûre, mais je ouais. Pense que j'ai le... Ouais. Fait que, au fond, ben, on a la dentelle. Ouais. OK, on avait la petite dentelle ici. Puis, contrairement à la camisa, j'ai décidé. Là, j'ai des marqueurs parce que c'est noir, hein, on voit rien, là. Ben là. t'es brave, chérie, t'es brave. Alors, j'ai fait des petites côtes partout parce que je veux que ça soit un chandail quand même assez ajusté. Contrairement à là, tu sais, la mode est vraiment au lousse-lousse, là. Mais moi, j'avais le goût de vraiment avoir un chandail que tu peux rentrer dans tes pantalons, là. Fait que c'est vraiment un peu style années 90, là, les chandails vraiment tight, là. Les manches vont être serrées, le corps va être serré, puis ça va être vraiment un col rond en avant, là. Fait que ça reprend le même principe que la camisole, là. Mais, C'est tricoté en quoi? C'est en Léa Flora aussi? Non, celle-là, c'est ben, pareil, la même ligne que ma camisole, dans le fond, c'est des arts textiles du Témiscouata. Ouais, puis c'est paint of black. Ça? Paint in it black. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle couleur qu'elle a sortie cet automne qui est un vrai noir, ce qui est rare chez les teinturières. Puis ben là, on parlait des couleurs que je pourrais utiliser, puis le noir m'attirait vraiment beaucoup, mais là j'étais là, tu sais, en design, personne n'utilise ça du noir. Puis là, elle était là, ouais, mais elle dit, tu sais, t'es photographe, fait que tu devrais réussir à faire sortir le design comme il faut. Fait que là, je prends une chance. Puis,
je me dis qu'au pire, ben, tu sais, je vais avoir des testeuses qui vont le faire en d'autres couleurs. En d'autres couleurs, exactement. Ben oui. Le pire des cas, ça serait que je m'arrangerai soit pour que je prenne leur photo ou leur demander de me l'envoyer pour que je puisse prendre des photos puis que je leur envoie ou whatever, tu sais. Fait que ça va être ça. Puis, mais en tout cas, on devrait être capable de faire de quoi pour convaincre. Hey, ça va être super comme classique, là. Écoute, ça va vraiment être un staple d'une garde-robe, là, sans blague, en noir comme ça pour l'automne. Oui, puis job. Une petite jupe habillée ou même, tu sais, autant avec une jupe, un pantalon habillé qu'avec un jeans, ça va être parfait. Exactement. Oui. Good! Fait que c'était ça, mais en cours. C'est quoi ta plus grande inspiration? Je riais parce que je disais à mes amis que, tu sais, quand les gens disent la nature, en design, ça m'inspire pas. Dans le sens que, tu sais, je vois un arbre puis je vois pas un chandail, là, tu sais. Inspire pas pantoute pour ça, là. Tu sais, je sais qu'il y en a que ça marche, là, mais pas moi. Mais je dirais que la nature, c'est quand même quelque chose qui m'inspire dans le sens que c'est un temps d'arrêt. Hein, tu sais, d'habitude, quand je suis dans la forêt, je fais pas grand-chose d'autre, là. Fait que c'est vraiment de prendre le temps d'être dans ma tête, d'être au calme. Puis après, souvent, l'inspiration arrive. Fait que c'est vraiment comme un temps de repos, là, aussi, qu'on se vide la tête. Puis ça laisse la place à la créativité après. Hey, c'est quoi le projet dont tu es le plus fière? Le projet dont je suis le plus fière? Ben, en design, je pense que c'est ma camisole à date, là, parce que j'ai fait des bas avant. J'avais trouvé le processus assez difficile. Je ne savais pas comment écrire des patrons. Quand j'ai fait tester, il y a des gentilles testeuses qui me l'ont tout écrit en anglais, qui m'ont tout corrigé mon français. En anglais, tu sais, j'avais écrit ça comme en français, là. Fait que les phrases étaient beaucoup trop longues, c'était pas assez concis, tout ça. Fait que, tu sais, j'avais vraiment beaucoup à apprendre. Fait que, c'est ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis je me demandais même si j'allais recréer des patrons après ça. Puis au festival La Petite Laine, voyons. Ah, j'ai oublié son nom. Christine des Arts Textiles, elle m'a donné des écheveaux. Puis elle m'a dit, tiens, tu feras un design. Là, j'étais là, oui, mais tu sais, si j'y arrive pas, elle dit pas, là, tu feras des bas, tu sais. Elle m'a donné comme 3 chevaux. Là, j'étais là, ben non, mais je peux pas faire des bas si tu me donnes 3 chevaux, ça n'a pas d'allure. Mais là, après ça, je me sentais tellement comme. Tu sais, je la remercierai jamais assez d'avoir fait ça parce que ça m'a donné le coup de pied d'en faire d'autres. Mais en même temps, oh mon Dieu, que j'étais stressée, puis là, je trouvais pas d'idée, puis là, Puis là, finalement, le déclic de la camisole. Ça a pris 3 semaines. Elle était tricotée au complet. J'ai écrit le patron. Puis, moi, je trouvais que c'était une belle introduction aux vêtements, aux chandails et tout. Puis finalement, j'ai une de mes amies, elle me dit, « Hey, t'aimes ça de compliquer la vie, toi? Une camisole, c'est pas facile, là. T'sais, ça fait jamais bon, il y a personne, des camisoles. » Là, j'ai d'abord raison. Puis effectivement, quand on a fait le test, il a fallu faire plein d'ajustements parce que... Oui, mais c'est la même morpho, là. Ben non, mais tu sais, ça fait partie de l'apprentissage. Moi, je trouve que t'es brave et j'admire ton courage. Je trouve ça vraiment le fun. Ah, ben ça, c'est mon courage, c'est vraiment pas voulu, là. Ben, mais c'est correct. C'est là que ça sort, tu sais, c'est de là que viennent les meilleures idées. Hein. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Oui. Hey, Geneviève, y a-tu un art textile ou fibreux qui manque à ta boîte à outils? Y a-tu quelque chose que tu aimerais apprendre qui manque? Ah, mon Dieu! Tout! J'aimerais avoir le temps de tisser. J'ai un métier à tisser qui n'est pas chez moi parce que là, j'ai pas le goût de l'installer parce que ça prend beaucoup, beaucoup de place. Fait que j'aimerais ça avoir le temps de tisser. J'aimerais me perfectionner en couture. Mais là, c'est up and down, la couture, puis je trouve ça difficile. Ma salle de couture est au sous-sol, puis moi, j'haïs les sous-sols. Fait que je trouve ça difficile de me motiver à... Ça fait du bordel aussi, la couture. Mon tadine, moi, je mets tant, là. Puis après ça, tout ramasser ça m'écœure. Fait que... Mais c'est sûr que j'aimerais ça être capable de faire des manteaux, des choses comme ça, là. Genre, j'ai un projet de manteau que j'ai... Ça fait comme moi, j'ai regardé Paul de Urso la semaine dernière qui s'est fait une paire de jeans. Ces jeans, ils ont de l'air des jeans du commerce. Puis je suis comme... Hey, moi, je cours depuis que j'ai 7 ans. Là, puis des fois, je suis comme... Wow! Ah, c'est tout un art, la couture. Vraiment, là. Tu sais, je veux dire... C'est
le vêtement versus les accessoires, là, c'est une complètement différente bête. Là. C'est comme, à mon avis, là, j'admire le monde qui court leurs vêtements. Là, c'est vraiment intense. T'sais, moi aussi, là, je cousais les accessoires puis tout ça. Puis là, je me ramasse à... T'sais, je ris parce que j'ai fait une jupe trois fois. La première fois, elle était trop grande. La deuxième fois, mon devant était trop petit. Puis mon, t'sais, le devant, c'était une bande droite puis en arrière, un élastique. La deuxième, la bande d'en avant était beaucoup trop courte. Puis là, j'avais les élastiques qui revenaient par en avant. C'était pas très beau. Puis la troisième fois... J'ai pris la taille 2 en arrière, la taille 6 en avant. Là, j'ai patenté ça. Puis là, finalement, la jupe a fait. Yeah! Ça, c'est de l'acharnement. Ben, c'est bon. Ouais. Puis sinon, ben, j'aimerais avoir le temps de broder aussi parce que j'ai appris quand j'étais jeune. Mais on dirait que juste de penser à faire de la broderie, je suis comme, ah, oh, c'est long. Puis je ne starte rien. Hey, avec qui serait ta collaboration ultime? Mais présentement, là, mon projet secret, c'est quand même une collaboration ultime. Je m'en attendais pas du tout, puis je suis comme... J'en reviens comme pas encore. Écoute, sinon, si on va dans l'international, Wooly Mammoth. J'aime vraiment ce qu'elle fait, là. Fait que ses couleurs de laine, la texture de ses laines, tout ça, ce serait quelqu'un que j'aimerais bien qu'elle collaborer. OK. Ça serait ça. Ah, Volavine aussi, Maudine, que j'aime. J'arrive pas comme à comprendre comment elle fait ses couleurs. C'est fou! C'est vrai, dans la vie, les couleurs, tout super écolées, puis tout ça, c'est pas vraiment mon dada, là. Mais elle, c'est tout le temps écœurant, tu sais. Puis l'espèce. Tu sais, elle a vraiment une ambiance. Elle est très victorienne, puis c'est vraiment. Ouais. Tu sais, dans cette. Tu sens vraiment son inspiration forte. Moi, ça, c'est quelque chose que j'admire vraiment quand que tu sens la personnalité de la personne derrière sa création. Puis, ouais, ce serait très inspirant de faire quelque chose pour elle. Ton meilleur souvenir de festival? Ah, ben là, c'est pas très original, là. Ça va être la petite laine l'année passée parce que c'était mon premier festival. Puis là, on a failli avoir un festival en Abitibi. Ça... Oui! Crime de pandémie. Puis... Ouais, Colin. Hey, on était prêtes, là. On était prêtes, puis on était. On capotait parce que on. Il a fallu, tu sais, nous, on avait un petit hôtel, on avait loué comme. Trois petites salles en bas parce qu'on savait pas, tu sais, on pensait pas que ça allait être gros. Puis finalement, on a été obligé de louer le centre de congrès au complet parce que c'était plein, là. On savait plus où mettre le monde. Fait que. C'est un bon problème à avoir, Colin. Comment? C'est un bon problème à avoir. Ben, nous, c'est plate, mais on a tout à l'impression que. Tu sais, on a tout à l'impression que l'Abitibi est un peu mal vue. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, moi, j'ai entendu beaucoup de préjugés envers l'Abitibi, tu sais, de gens qui viennent de l'extérieur. Okay. Puis, on a l'impression que, tu sais, les gens, ils trouvent ça bien trop loin puis que jamais ils vont se déplacer pour venir. Puis finalement, ben c'est pas en tout ça la réponse qu'on a eue. Tout le monde était super emballé puis tout le monde trouvait ça full cool. Fait que on était vraiment, vraiment contents. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, cette année, on prépare la prochaine édition, mais ne sachant pas si on va pouvoir la faire ou non, là, tu sais. C'est très compliqué, c'est difficile, puis, tu sais, de mettre du temps sur quelque chose qu'on sait pas si ça va marcher. Ben, ça va marcher quand on va pouvoir faire de quoi, tu sais. Oui, oui. Ben, parce que moi, je trouve que, tu sais, la petite laine, comparativement à tous les autres festivals, je trouve que c'est le fun parce que ça rapproche les gens tellement. Tu sais, t'arrives, tu prends des cours, tu magasines, tu restes dans la région parce que tu sais, tu peux pas vraiment voyager. Là. C'est pas comme dire, moi, je pars d'ici puis je m'en vais à Montréal, ça me prend 2 heures. Je reviens chez nous. Là. Pour la plupart du monde, c'est quand même loin, peu importe d'où tu viens, tu sais. Oui. Fait que ça rapproche. Moi, là, la soirée de tricot à Petite Laine, là, je suis tombée en terre barrière. Ah, c'était le fun! Mais c'était de voir les gens, puis tout le monde était... Ah.
Tu sais, ouais. Je peux voir, comme parce que vous êtes les deux à deux opposés, je me disais, ben ça va être la même, ça va être la même feel, là, ça va être la même feeling, tu sais. Ben, c'était l'optique, tu sais. On veut pas copier la petite Clem, c'est sûr, on veut le faire à notre source à nous, là. Mais c'est sûr qu'on voit ça très, très humain comme festival, là, très... Très famille, quasiment, tu sais, vraiment communauté, tout le monde est tête et tout, là. Exactement, tu sais, on veut que les gens se parlent. De toute façon, c'est tout petit, là, l'Abitibi. Puis, disons, le quartier où est-ce que le centre de congrès est, ça s'appelle le Vieux-Noranda, fait que c'est vraiment comme l'espèce de quartier historique. Là. Bon, on s'entend, là, on n'est pas à Québec non plus, là, c'est historique, mais... Ben non, mais historique pour l'Abitibi, là. Oui, c'est ça. Puis, ben, tu sais, il y a plein de petits cafés. Il y a des petits cafés, il y a plein des petits commerces, tu sais, fait que c'est le fun de... Il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même un peu, fait que tu sais, c'est le fun aussi de tu sais, on se disait, ben, il y a rien qui empêche le monde, disons, d'aller... on a une librairie-bar, tu sais, il y a rien qui empêche le monde d'aller se réunir à cette librairie-là pour aller prendre une bière ou un café puis d'aller tricoter, fait que tu sais, on avait comme plein de petits coins qui étaient le fun à voir, tu sais, fait que... C'était l'idée de derrière le festival. Puis ben là, on se croise les doigts pour qu'on puisse le faire l'année prochaine. Ben, oui, c'est ça, l'année prochaine. Sinon, on aura 2 ans de pratique, puis la troisième année, ça sera la bonne. On se croise les doigts. Oui. Geneviève, guess oui. What? Quoi? C'est la fin! Non! Oui! Geneviève! Oui! La première question, comme tu le sais, si tu as déjà regardé le Dolphina Show. Oui. C'est pas une question. Je déroule le tapis rouge pour toi, ma belle Geneviève. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Parce qu'on a timé ça pour une raison spéciale, right? Oui! Ben, en fait, j'ai un patron de bas qui va sortir la semaine prochaine, dimanche. Et c'est quoi? C'est le 27, ça? C'est ça. Puis moi, ben, tu vas être en ligne mardi. OK! Donc, fait que, tu sais, c'est une bonne façon que les gens se donnent un petit peu de... Oui, oh ouais, fait que je fais un petit peu de. Fait que c'est un bas en collaboration avec Bleu Poussière, fait que c'est fait en BFL. Yeah! Oh wow! Oui, fait que c'est un bas avec de la dentelle, puis une petite torsade ici, mais je la fais sans aiguille auxiliaire, fait que c'est quand même assez simple. Fait que je trouve que c'est une dentelle qui a de l'air quand même compliquée, mais qui est très simple à faire finalement là. Je vais vous montrer les petites côtes là. C'est comme un... C'est pas tout égal là en avant là. Fait que des petites mailles torses avec des mailles. C'est vraiment cute. Ouais. Puis en arrière, c'est des côtes 2-2 avec des mailles torses. Fait que le patron va être lancé dimanche le 27 septembre. Oui. Sur Ravelry. Oui, sur Ravelry. Puis dans le fond, le patron va s'appeler les Salomé. Ça, qui est le nom de mon arrière-grand-mère. Yay! Yeah! Ouais! Bravo! Hey, génial! Merci 100 millions de fois pour ton temps. C'était vraiment le fun! Oui, merci de m'avoir invité. C'est vrai, c'était vraiment, vraiment le fun. Yay! Yeah! Bye! Bye!